Il était une fois un jeune homme qui servait de l'essence dans une station-service. En fin de journée, une jeune fille arrive avec ses parents et pendant que les parents vont payer à la caisse, le jeune homme et la jeune fille font connaissance. Mais les parents ne veulent pas de cette liaison. Ils ne veulent pas que leur fille fasse sa vie avec ce jeune homme. Et comme le jeune homme insiste, le père finit par lui donner trois épreuves, persuadé que de toute façon, il n'y arriverait pas. Tout d'abord, il doit réaliser le plus beau char de la prochaine cavalcade. Et de plus, ce char doit voler. Ensuite, il doit remettre en état une très vieille voiture qui n'a pas roulé depuis 60 ans. Enfin, il doit trouver et offrir le plus beau bijou du village. Et s'il réussit ces trois épreuves, il pourra l'épouser. Pour le char de la cavalcade, il construit un cerf-volant magnifique avec de grandes ailes colorées. Et le jour de la cavalcade, le vent se met à souffler tellement fort que le cerf-volant s'envole haut dans le ciel avec le char accroché en dessous. Pour réparer la vieille voiture, il va chercher des pièces à la casse. Il voit là un vieux robot blessé qui lui demande de l'aide. Il emporte le robot chez lui, le répare avec soin et à la fin, il appuie sur la lumière sur le ventre de son robot. Aussitôt, le robot appelle ses frères, ses amis, qui partent dans toutes les directions pour aller chercher des pièces et pendant que le robot réparé s'occupe du moteur, le jeune homme change les roues et répare la carrosserie. Le lendemain, il part se promener dans la forêt et donne à boire à un oiseau blessé et assoiffé. Quand il parle à cet oiseau de sa troisième épreuve, l'oiseau lui demande de l'attendre au pied du gros chêne. L'oiseau vole jusqu'au nid de la pie, toujours rempli d'objets brillants. Et il rapporte un magnifique rubis au jeune homme qui le remercie. Il arrive chez les parents de la jeune fille avec un magnifique cerf-volant, une voiture de collection comme neuve et un magnifique rubis. Impossible pour les parents de la jeune fille de refuser le mariage de ces deux jeunes qui iront très loin dans la vie. Matin quand j'ai cassé la croûte, je pouille ma blouse, je prends mon hôte zio. Et mon bézoué, et puis en route, je m'en vas comme un pauvre saute-zio. En traînant ma vieille patte qui rechigne, à force d'aller par mon parvio, je m'en vais piocher mon quartier de vigne.